le belle de l'architecture de stupa de Chuecico, construit le soubassement en forme de carré avec trois terrasses. Et tous les quatre points de cardinaux, il y a quatre escaliers à cette. Ça, c'est le signe pour chasser les mauvais esprits. Et ensuite, on ajoute la forme de triangle, comme le stupa tout autour. Et en haut, ajouter des motifs, des fleurs, des reliefs. Et après, pour avoir élégant, tourné par des anneaux. Donc, le stupa est complètement la forme de cloche. Et puis, la dôme pointue, c'est très élégant. Et en haut, on ajoute des perles, des diamants, des rubis, et avec des petites clochettes en or aussi. Donc, selon l'histoire du Bouddha, le quatrième Bouddha qui s'appelle Gautama, il est un prince. Il est né en Népal, 600 avant Jésus-Christ. Après sa naissance, son père, il a laissé de regarder les lignes des pieds de son fils pour savoir son âge. Les parents des novices. Les novices sont sous les chevaux avec des parasols. Ils sont beaux. Et puis les. Oh, c'est la robe. Donc, c'est une grande procession. Faire le tour en ville. Et après, ils vont passer la pagode. Après la pagode, ils vont entrer au monastère. Donc, ce sont des Bouddhas taillés dans le rocher au XIIIe siècle. Donc, les Bouddhas couronnés sont ajoutés après le XVIe siècle. Et là, les Bouddhas style birman sont ajoutés après le XVe siècle. Et si vous regardez là, il y a. Thank you.
chante. Si quelqu'un qui chante pas,